Jardin de Montspach, le 7 août 2018. Des tomates à fond les ballons. Donc cultivées sur un sol non travaillé depuis 2015. Sur lequel il y a eu un couvert couché en 2016, suivi d'un apport de bois broyé de 10 cm. Et voilà, donc là il reste, c'est la fin du bois, il reste un peu de bois. Il y avait un couvert spontané ce printemps, donc il n'était pas tellement épais. J'avais rajouté de la tonte de pelouse ce printemps après la plantation des tomates, et juste une fois pour couvrir le sol, mais ça s'est déjà dégradé. Donc là ça va être recouvert, en tout cas au plus tard après la culture des tomates. Voilà, donc ce sont des variétés anciennes dont les semences ont été autoproduites au jardin de Montspach depuis 4-5 ans. Hein. Voilà. Donc en gros, on va faire un petit tour des variétés rapides. Ça, c'est donc des Origa, tomates orange très précoces. Ensuite, ce côté des oranges banana. Voilà, tomates allongées. Ensuite, des Carotina, tomates orange rondes, très bonnes. Voilà, des Origa de ce côté. Derrière, on a les Money Maker, voilà, que j'ai rebaptisé Tip Top. Enfin, j'ai gardé les semences de quelques plants très productifs là, et en fait, ça donne pas mal. Ensuite, on a les belles oranges Carotina. Là, des Russes Noirs, une un peu attaquée par une limace ou quelque chose. Mais sinon, c'est plutôt joli. Voilà, Russes Noirs. Et là, on arrive nouveau dans les Origa. Ça, c'est des tomates type tomates poivrons. C'est ressorti de la variété tomate des voyageurs. Donc là, il y a encore des Russes Noirs. Là, on arrive au bleu indigo. Bleu indigo. Voilà. Là, on a déjà récolté les plus mûres. Ça, c'est tomate du voyageur. Voilà. Bleu indigo. Et ensuite, on arrive au cornu des Andes. Grande tomate à manger. Voilà. Cornu des Andes. Orange Verna. Voilà, très bonne tomate. Ça c'est des potirons, tomates potirons, très grosses tomates. Voilà. On voit la main. C'est de la belle tomate. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est des tomates Blue Fahrenheit. Alors les plants ont... C'est là en grillé, là, il y a 2-3 plants, c'est là pas. C'est bizarre. Hein. Donc c'est bien, ça fait la sélection, hein, c'est le but. Donc on va garder les plants les plus vigoureux, relativement précoces, qui font des bonnes tomates. Hein, on va les goûter aussi.
Voilà. Puis voilà, c'est pas mal, hein. Le reste, c'est nouveau les variétés qui se répètent, je crois. Green Zebra, on a là. Qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Green Zebra. Voilà. Bon, bah donc. Donc, tomate de mon SPAC. Possible de commander des tomates au 06 24 61 15 50. Et vous pouvez chercher à mon SPAC, au jardin de mon SPAC. Voilà. Bah, à bientôt. Au revoir.